Salut les barbares, ici Sergent Fatih. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo qui aura un format un peu plus court que d'habitude parce que je suis en rase campagne bretonne avec des moyens techniques vraiment plus que limités et en tout cas pas du tout les mêmes que d'habitude. Mais hey, les Bretons, faites quelque chose pour le réseau Wi-Fi parce que c'est pas possible. Alors, vous voyez ici les résultats en fait d'une des précédentes guerres de Don't Cry. Un écrasant 29 à 6, mais il faut dire que le matchmaking a été vraiment on ne peut plus défavorable pour le clan adverse. Les pauvres, en tout cas, ils ont dû vraiment pleurer. On va commencer par une attaque que j'aimerais vous montrer. Nat ne m'en veut pas, mais vraiment, je l'ai trouvée magnifique. Même si c'était qu'une étoile, mais 86%. Et c'est l'attaque, pour rappel, d'un HDV9 sur un HDV10 Préma, certes, mais il y avait une TDE, etc. Et Nat est une déesse, en fait, pour les attaques aériennes. J'adore sa façon de déployer les troupes, c'est vraiment assez impressionnant. Donc là, c'est une attaque à un Golo-Oui-Oui, si je ne me trompe, golem, molosse, ballon, qui va se faire. Donc les golems ont été envoyés directement avec un saut vers le centre du village, et ça dans le but bien précis de tuer, bien entendu, les défenses anti-aériennes, afin de pouvoir lancer les molosses et les ballons. Donc là, vous voyez, le contrat est déjà rempli pour l'une des défenses anti-aériennes. Il y a une TDE qui s'est attaquée donc à un des golems, mais bon, l'arène va se mettre dessus. Il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez le déploiement donc des molosses directement sur les anti-aériennes, avec les ballons qui sont lancés au compte-gouttes, avec tout de suite, là, c'est un sort d'accélération. Donc, pour rappel, l'accélération, ça fait avancer plus vite vos troupes. Ça ne fait pas taper plus fort, mais ça les fait avancer plus vite. Et là, c'est vraiment magnifique. Les ballons, donc, du coup, se dirigent vraiment plus rapidement vers le centre du village. Et ce déploiement, donc, des molosses et des ballons de Nat qui est vraiment sublime. Y a pas. Enfin, moi, j'en ai des frissons, quoi. C'est vraiment joli comme attaque. Alors, l'avantage aussi avec les sorts d'accélération, c'est que comme ça prend moins de place qu'un rage, du coup, vous pouvez en mettre un peu plus. Et voilà. Et là, vous le voyez, il n'y a vraiment plus grand-chose comme bâtiment défensif. Juste la petite TDE, mais voilà. C'est vraiment une très très belle attaque. Malheureusement, les ballons ne sont pas arrivés jusqu'à l'HDV à cause donc de la TDE. Le déploiement valait vraiment le coup d'être filmé et signalé pour cette attaque-là. Félicitations à toi, Nat, en tout cas. Je prendrai des leçons. Je prends mon ticket pour avoir des leçons pour les attaques en aérienne. Alors, j'ai deux autres jolies attaques à vous montrer. Alors, il s'agit de celle-là. Donc, c'est Fatboy qui a fait cette attaque donc, sur un très gros HDV9 bien maxé et avec une forme de village. Moi, j'appelle ça un village en crabe. C'est le genre de village improbable pour moi, en fait. Et les golems sont lancés sur une ligne qui est assez large. Avec une multitude de sorciers et de sorcières, admirez la précision du déploiement des sorcières. C'est vraiment quelque chose, c'est beau, c'est beau. Chez Don't Cry, c'est simple, je ne vois que ce genre de choses, c'est-à-dire beaucoup de rigueur et de précision. La stratégie est vraiment très travaillée avant chaque attaque. Donc, je suis toujours bouche bée. Donc là, voilà, toutes les troupes sont arrivées au milieu du village. Les Arkix ne savent plus trop où donner de la tête, il y en a partout. Il y a déjà deux étoiles qui ont été grattées. Et là, voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose à faire que d'admirer. C'est magnifique. Donc voilà, les sorciers sont
En pleine forme, puisque là sur les côtés il n'y a plus du tout de bâtiment défensif. Il reste un mortier, mais voilà, le golem s'en occupe. Quelques ballons pour faire la finition en plus, comble du comble, et un magnifique 100% 3 étoiles. Bravo à toi, Fatboy, en tout cas, c'est joli. La dernière attaque que j'aimerais vous montrer, et vraiment celle-là, elle me tient à cœur parce que je la trouve vraiment audacieuse, c'est celle de MG. Vous l'avez déjà croisée à plusieurs reprises en fait dans mes reviews. Et là, il ne fait pas exception à d'habitude, c'est-à-dire que c'est de la grosse compo et c'est de l'audace qu'il va nous montrer encore une fois. Donc sur un HDV10, avec un CDC qui est quand même assez accessible, donc un petit géant pour le provoquer et sortir le CDC. En plus, c'était full archer barbare, vraiment rien de bien craignos. Pour cette attaque-là, vous allez voir donc du gros, puisqu'il y a juste 6 golems qui vont être déployés deux par deux. Donc voilà, grâce à ces deux sauts qui sont posés maintenant. Donc à ce niveau-là, les sauts ont une durée de vie vraiment très longue. Donc n'hésitez pas à les poser bien en avance. Les golems qui sont lancés deux par deux et qui vont donc commencer à aller vers le centre. Et là, vous allez voir quelque chose de magnifique. Quatre ce tremblement de terre qui vont juste écrabouiller, pulvériser les murs et permettre aux deux autres golems d'entrer directement et de diriger tout droit vers l'HDV. Donc on a eu un petit débat ce que faisaient exactement ces sorts de tremblement de terre. Faut savoir que 4 sorts, 4 quakes suffisent pour tuer le mondo. L'idée, c'est ça. Donc on pourrait se dire, bah, dans soi, upper les sorts de saut. Bah si, parce qu'en fait, c'est qu'ils font du dégât sur les points de vie des bâtiments qui sont autour. Et c'est là qu'ils sont intéressants, parce que est-ce que vous avez vu à quelle vitesse les bâtiments sur le chemin en fait vers l'hôtel de ville ont été tués, mais vraiment à une vitesse impressionnante. C'est-à-dire qui n'ont résisté, quoi, en fait, puisque le sort de tremblement de terre a déjà ébranlé les points de vie. Donc là, on a déjà 2 étoiles. Donc, pour rappel, 2 étoiles en GDC, c'est une victoire. Et celle-là est magnifique. En tout cas, bravo pour ton audace, MG. Elle était vraiment payante. Donc, très belle attaque et super servi, comme d'habitude. Mais ça, c'est le champion pour les grattages. En tout cas, cette guerre-là a été quelque chose de magnifique, magistral. Je m'excuse à tous mes compagnons pour qui je n'ai pas pu faire de review, mais mes moyens de vraiment, vraiment limité. Et sur ces 3 attaques-là, vraiment, je ne pouvais pas passer à côté sans trouver un moyen de les partager avec vous. En tout cas, j'espère que vous continuez à vous amuser, que vous profitez un peu du beau temps. Pour ma part, en Bretagne, il pèle. Et voilà, vivement Paris et vivement la fibre. Mais je reviendrai quand même en Bretagne. Donc voilà, les barbares, enjoy!